Septième session de notre journée Futurapolis Planète, ici au Quai des Savoirs de Toulouse ou dans le confort de votre chez-soi par le truchement du streaming. Je vous rappelle qu'à tout moment, en envoyant un SMS au 07 69 69 38 33, vous aurez la possibilité de poser vos questions à nos invités. Là encore, on va faire un effort maximum pour que vous puissiez, a fortiori sur un sujet aussi intéressant. Alors, cryptographie, télécommunication, énergie, le quantique, est-ce vraiment si fantastique? On le dit révolutionnaire, énergivore ou surévalué, mais ces promesses sont à la hauteur des enjeux dans un secteur jugé stratégique par toutes les plus grandes puissances mondiales. Alors, fantastique le quantique. Nos experts vont nous aider à traquer les idées reçues, à saisir la complexité de ce nouveau monde passionnant qui risque de changer les règles du jeu. Voici sous vos applaudissements Eleni Diamanti, qui est directrice de recherche au CNRS, Alexia Ofev, qui est directrice de recherche au CNRS elle aussi, Olivier Ezrati, consultant freelance spécialiste des deep tech et de la technologie quantique, le tout sous la bienveillante férule de Guillaume Gralle, rédacteur en chef tech, sciences et santé, au point. Sous vos applaudissements, messieurs, dames. Merci Boris, je suis super content d'être là maintenant avec Alexia, avec Eleni et Olivier, parce qu'il y a quelques mois on a publié dans le Point les exploratrices de l'infiniment petit, où on a eu l'extraordinaire plaisir, et Boris l'a bien rappelé, c'est-à-dire que ça donne cette discipline, le quantique donne le vertige lorsqu'on voit les possibilités que ça peut avoir dans tout un tas de domaines, et en même temps c'est un vrai plaisir pour la curiosité. Alors, juste avant de lancer énormément de questions-réponses très concrètes, je voulais demander à Alexia de définir ce que c'est que le quantique, si on peut le faire en quelques minutes, et notamment l'informatique quantique. Merci Guillaume, merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici. Donc non, on peut pas définir en quelques minutes. Mais on va donner quelques indications quand même pour avoir une discussion qui soit un petit peu concrète, comme tu dis. Donc je vais peut-être attaquer direct sur l'informatique, en fait. Et pour poser les choses correctement, il faut regarder l'ordinateur qui est en face de toi, la boutique Apple, là. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on fait un calcul avec un ordinateur classique? Dans un ordinateur classique, on a ce qu'on appelle des registres de données sur lesquels on va avoir des 0 et des 1. Et puis, on va avoir envie de calculer la valeur d'une fonction, donc une valeur f de x. Et si on veut calculer la valeur d'une fonction pour deux points différents, f de 0 ou f de 1, on doit calculer d'abord f de 0 et ensuite f de 1. On n'a pas le choix. Il faut qu'il y ait deux opérations. Dans le cas d'un ordinateur quantique, en fait, ce qui se passe, c'est que nos registres de données, on va pouvoir les préparer dans des états qu'on appelle des états superposés, où, en fait... si je prends l'exemple d'un bit, qui est l'élément élémentaire d'un registre, mon bit peut être dans un état qui va être à la fois 0 et 1, de telle manière que si je lance un calcul quantique, je vais avoir une information à la fois sur f de 0 et sur f de 1. Ça, c'est ce qu'on appelle le parallélisme. Bon, il y a beaucoup de choses beaucoup plus compliquées qui se mettent en route, hein, qui s'appellent l'intrication quantique notamment, et qui, en fait, au bout du bout, permettent d'avoir des calculs dans une logique... je vais recommencer ma phrase. Qui nous permettent d'effectuer des calculs en fait en beaucoup moins d'étapes qu'avec un ordinateur classique. Donc, c'est ce qu'on appelle l'accélération. Voilà. Et un exemple typique que j'aime bien donner, c'est quand on cherche un nom dans un annuaire. Donc on a le numéro de téléphone, mais on n'a pas le nom. Et si on a un annuaire dans le monde classique, typiquement, il va falloir se taper la moitié de l'annuaire avant de trouver le nom auquel correspond le numéro de téléphone. Si on applique un algorithme quantique, on va lire la racine carrée de l'annuaire. Et ça représente des accélérations
quand le nombre de noms est grand, ça peut être assez sympa. Merci beaucoup, Alexia. Donc, superposition, intrication, accélération. Alors, pour comprendre, aller un peu plus dans ce feuilleton, en fait, où les électrons, les photons, les atomes ont les rôles principaux, on a décidé de poser des questions très concrètes. Et on va commencer par la cybersécurité. Avec l'ordinateur quantique, est-ce que tous les ordinateurs et les systèmes de sécurité actuels sont déjà vulnérables? Alors, moi, je vais répondre vrai. Ah, et c'est faux. Alors, on va demander à Eleni, pourquoi c'est faux? Merci beaucoup, Guillaume, pour la question. Merci aussi. En effet, c'est faux. Cette affirmation est fausse et il faut faire très attention quand on parle de cybersécurité. C'est, la cybersécurité, quand même, de nos jours, c'est un défi de la société. Non seulement ça a un effet énorme économique et financier, il faut quand même comprendre que chacune des attaques qu'on voit envers des systèmes informatiques coûte énormément beaucoup d'argent. C'est un coût qui finalement revient à chacun d'entre nous par citoyen, mais aussi ça, a un défi, ça pose un défi aussi pour la société démocratique. Enfin, ça pose beaucoup de questions. Donc, comment on répond à ce défi de cybersécurité? Donc, les nouvelles technologies, dont les technologies quantiques, mais aussi les avancées qu'on fait en général dans les... dans les méthodes de calcul et des algorithmes, nous donnent à la fois plus de moyens pour répondre aux défis de sécurité, mais en fait, ça nous amène aussi à plus de menaces. Donc, c'est à la fois l'un et l'autre. Et donc, il faut utiliser ces technologies de façon très prudente et très sage pour apporter des solutions concrètes et répondre aux défis, notamment des résiliences et de la sécurité en profondeur. Donc, ça, c'est deux mots qui sont très importantes en ce moment dans le monde de la sécurité. Donc, on parle énormément de résilience, c'est-à-dire comment peut-on se protéger réellement en pratique dans les systèmes de cybersécurité, et de la sécurité en profondeur, c'est-à-dire comment finalement on utilise tous les outils qu'on a dans notre disposition, dont aussi les technologies quantiques, pour protéger nos systèmes. J'ai juste, du coup... Vas-y, Eleni. Oui, j'ai dit juste. Donc, un ordinateur quantique, parce que c'était ça quand même la question, pourra attaquer, donc casser certains protocoles décryptographiques utilisés aujourd'hui. Pas tous les algorithmes, il faut bien comprendre, de la même façon qu'un ordinateur quantique ne peut pas résoudre tous les problèmes difficiles, de cette même façon, il ne peut pas casser tous les protocoles cryptographiques actuels. Il y en a qui sont plus c'est sûr que d'autres, et ça dépend de leur construction. Mais ce qui est important, c'est que ça peut quand même casser certaines protocoles cryptographiques qui sont très utilisés, qui sont dominants aujourd'hui dans l'Internet, comment on sécurise nos informations. Et c'est de là où vient la menace, et c'est de là où il faut vraiment répondre. Merci beaucoup, Eleni. Je comprends un peu mieux pourquoi je me suis trompé. J'essaierai de ne pas me tromper. Alors, on a une autre question qui apparaît à l'écran. Le quantique explose les coûts énergétiques. Hein, tu l'as dit, Boris, tout à l'heure, en présentant la table ronde. Là, j'ai envie de dire vrai. Et surtout, eh ben c'est faux. Et surtout, c'est tout faux. Laissez la Mais parole à Alexia. Ça mérite un Oscar. Hein. Tu joues vachement bien le candide, quoi. C'est bien fait. Bon, Alexia. J'ai envie de dire que c'est un thème de recherche à part entière, en fait. Et comme les technologies quantiques sont des technologies toutes nouvelles, on peut se donner les moyens de faire en sorte de justement pas exploser les coûts énergétiques. Donc je dois avouer que je n'ai pas écouté les discours d'avant, mais je crois qu'il y en a eu un sur la sobriété énergétique et peut-être Exactement, qu'il y a eu ce problème en fait, de l'empreinte énergétique de nos ordinateurs classiques et du processing de l'information classique. Je crois qu'on arrive à peu près 10% de la consommation de l'électricité mondiale qui correspond au coût du numérique. Donc l'idée, c'est quand même d'essayer d'éviter ça avec les ordinateurs quantiques. Et pour ça... Ben, j'ai envie de dire qu'il faut s'y prendre alors que les technologies quantiques sont en train d'être déployées. Et on a finalement des bons arguments pour penser qu'un ordinateur quantique pourrait coûter moins cher en énergie qu'un ordinateur classique. La première raison, elle a beaucoup à voir avec ce que j'ai raconté quand j'ai bafouillé, que j'ai expliqué comment fonctionnait un ordinateur quantique, à savoir le fait qu'il va falloir finalement beaucoup moins d'opérations physiques pour réaliser a priori la même tâche.
Or, une opération physique coûte de l'énergie, donc s'il y a moins d'opérations physiques, a priori, ça coûte moins d'énergie. Donc, c'est ce qu'on appelle l'avantage quantique qui a une traduction directe énergétique. La deuxième raison qui est beaucoup plus fondamentale, c'est que la logique quantique, elle est ce qu'on appelle réversible. Ce qui veut dire que quand on effectue des opérations sur l'information quantique, à la fin du calcul, on peut imaginer rembobiner le film. Et donc toute l'énergie qu'on a mise à l'aller, on peut espérer la récupérer au retour. Mais pour arriver à faire ça, il va falloir énormément de travail et beaucoup associer la recherche fondamentale et les ingénieurs. Donc, et ça, il faut le faire tôt, en fait. Il faut vraiment le faire maintenant. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Alexia. On rappelle que tu es très active dans l'écosystème grenoblois, à travers Cantalp, notamment, et que tu es passionnée de toutes ces questions énergétiques. Et une autre question qui me vient à l'esprit, lorsqu'on voit les capacités, les promesses de capacité de calcul d'informatique quantique, on se dit que ça pourrait peut-être être utile pour l'intelligence artificielle. Est-ce que les intelligences artificielles vont prendre le pouvoir ? J'ai envie de dire vrai, et j'ai faux. Et je vais donner tout de suite la parole à Olivier pour nous en dire un peu plus. Bon, je pense qu'elles n'ont pas le pouvoir aujourd'hui et elles ne l'auront pas plus avec le quantique. L'ordinateur quantique, tel qu'Alexia le décrivait, permettra d'accélérer certains traitements sur des algorithmes relativement connus, notamment dans un univers qu'on appelle l'apprentissage statistique. En américain, on appelle ça le machine learning ou le deep learning. Donc le calcul quantique permettra d'aller un petit peu plus vite dans certains cas de figure, mais il n'est pas conçu pour l'instant comme étant un ensemble de techniques qui va révolutionner le savoir-faire, notamment pour faire du raisonnement. C'est un domaine où l'IA n'est pas encore très mature. Oui, c'est vrai, mais seulement un peu plus, parce qu'on nous promet parfois des capacités de calcul incommensurables. Ben ça dépend des machines, et comme les machines, on ne les a pas encore sous la main, c'est difficile de juger. Parmi tous les cas d'usage du calcul quantique, il y en a un qui est très important, c'est la simulation chimique, qui peut servir à inventer de nouveaux procédés pour traiter l'énergie, pour faire de la santé, pour créer de nouveaux matériaux. Il y a des startups françaises qui bossent là-dessus, je crois. Des startups françaises comme Qubit Pharmaceutical, qui est très connue, qui travaille dans le domaine de la santé, comme son nom l'indique. Il y a un deuxième domaine qui sont les accélérations de problèmes d'optimisation, qui peuvent servir aussi bien à la finance qu'à la logistique, au transport, ou tout un tas de métiers relativement classiques. Et puis, il y a effectivement le machine learning et l'intelligence artificielle. Mais de ces trois domaines-là, en fait, l'état de l'art aujourd'hui montre que c'est plutôt les deux premiers où il y aura vraiment une révolution dans les capacités qui vont être offertes, notamment aux chercheurs, dans leurs travaux de recherche, presque plus que dans le domaine de l'IA, qui changera peut-être moins radicalement. Enfin, c'est un avis personnel, mais ça changera peut-être moins radicalement que sur les deux premiers sujets. Très bien, merci beaucoup. Alors, on se pose la question, et Alexis en a un peu parlé tout à l'heure, de savoir si un ordinateur quantique pourrait un jour arriver dans chaque maison, un peu comme ce dont Bill Gates rêvait pour les robots, un robot dans chaque maison, avec, comme les PC. Qu'est-ce que tu en penses, Alexia ? Peut-être on peut compléter justement ta réponse de tout à l'heure. Effectivement, ça complète très bien, parce que l'argumentaire que j'ai développé tout à l'heure sur l'énergétique du calcul, donc ça représente ce qui se passe quand on considère la machine à calcul et on se demande combien d'énergie ça coûte pour faire tourner un calcul. Mais pour réfléchir globalement à la consommation énergétique du calcul, il faut aussi prendre en compte les usages. Donc c'est pas la même chose si y a un seul gars qui fait un calcul tous les 10 ans ou si tout le monde a son PC portable et utilise l'ordinateur quantique pour faire tourner Netflix plus vite ou whatever. Donc, je ne sais pas si c'est très raisonnable d'imaginer que chacun va remplacer son ordinateur classique par un ordinateur quantique. Je suis même certaine que ce n'est pas raisonnable du tout et qu'il faut plus envisager l'ordinateur quantique comme étant une machine qui sera disponible dans le cloud et sur laquelle on enverra des calculs s'effectuer rapidement. Une machine qui sert à tout le monde, peut-être ? Une machine qui sert à tout le monde, mais tout le monde prend sa place pour faire son calcul. Pas une machine pour tout le monde. Très bien. Olivier ? Il y a une raison fondamentale à cela qui est liée au fait que la promesse du calcul quantique, c'est de rendre des choses possibles qui ne le sont pas avec les plus gros supercalculateurs d'aujourd'hui. Et pourtant, on n'a pas de supercalculateur dans son laptop quand on travaille. Donc en fait, on est dans des besoins qui sont dans l'au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. Et effectivement, tous les travaux quotidiens sur un laptop n'ont aucune raison d'être sur un ordinateur quantique. L'ordinateur quantique, il est là pour résoudre des problèmes scientifiques, des problèmes d'optimisation, qui sont en général des problèmes très macro. C'est pas des problèmes d'une personne. Et dans certains cas de figure, même si c'est réalisé pour chaque personne, ça sera plutôt fait dans le cloud, comme Alexia le disait. D'accord. Juste avant d'aller vers la téléportation, avec une autre question...
Il y a quelque chose que tu m'avais expliqué plusieurs fois, Olivier, parce que je t'appelle souvent, c'est que un des difficultés pour arriver à un ordinateur quantique, c'est d'arriver à stabiliser, c'est ça, les qubits, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Et je crois qu'il y a une nécessité d'avoir une certaine température. Je préférerais que ce soit Alexia qui réponde, parce que c'est sa spécialité. Alexia. Je peux y répondre, mais c'est vraiment ta spécialité, Alexia. Merci. Je coupe à chaque fois, j'ai peur de faire du bruit. Oui, donc si on revient à la petite explication du début, donc j'ai parlé de cette notion de superposition qui est à l'origine des accélérations qu'on peut avoir sur les calculs quantiques. Donc cette superposition en fait d'état quantique, elle est extrêmement compliquée à générer et à conserver pendant la durée du calcul. En fait, c'est vraiment là toute la difficulté, et c'est la raison pour laquelle les expérimentateurs du monde entier, d'abord du monde académique et puis maintenant du secteur privé, se cassent les dents et ont besoin de beaucoup d'argent. Et la raison pour laquelle c'est très compliqué, c'est que une superposition d'état, donc le fait par exemple qu'un qubit soit à la fois dans l'état 0 ou dans l'état 1, c'est extrêmement fragile, et dès qu'on va venir observer le qubit, le mesurer, c'est ce qu'on appelle le problème de la mesure en mécanique quantique, dès qu'on va venir le mesurer, notre qubit va être projeté soit dans 0, soit dans 1. Et 0 ou 1, c'est extrêmement différent de 0 et 1. Quand on a 0 ou 1, en fait, on a perdu la puissance du calcul parce qu'on a perdu l'état superposition. Donc il faut que nos superpositions, elles restent secrètes, elles restent très isolées, et la première chose à faire, c'est effectivement, dans la plupart des ordinateurs quantiques un peu célèbres qu'on connaît, il faut les mettre à froid. Parce que s'ils ne sont pas à froid, et ben on a ce qu'on appelle de l'énergie thermique qui est disponible, qui va faire fluctuer nos bits quantiques. Alors on était peut-être dans l'état superposition au début, mais ensuite on passe très rapidement dans 0, 1, et il n'y a plus rien à faire de notre registre de données. Donc, voilà, merci beaucoup. C'est, et c'est très ce qu'on appelle la décohérence, pardon. C'est un mot-clé, donc il faut le dire. Merci beaucoup, Alexia. C'est très clair. Ah, c'est très froid. Les ordinateurs quantiques d'IBM et de Google, qui sont connus, on les refroidit à l'endroit où on met les qubits à 15 millikelvin, sachant que 0 Kelvin, c'est le zéro absolu, c'est moins 273,15 degrés. C'est moins 273. Et on est vraiment à une température très froide, qui est plus froide que l'espace intersidéral. Et donc, on utilise des systèmes qu'on appelle les cryostats, avec de l'hélium, qui servent à refroidir à ces très basses températures le système, et eux consomment de l'énergie. Par contre, une fois qu'on a refroidi le système, les qubits eux-mêmes consomment peu d'énergie. Ce qui consomme l'énergie, c'est tout ce qu'il y a autour et l'électronique de contrôle. Là, il y a du travail pour la miniaturiser, pour baisser la consommation d'énergie, et il y a beaucoup de travail de recherche dans ce domaine. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la téléportation. On va essayer de se téléporter. Est-ce que la physique quantique nous permettra ça, Eleni? T'essaies pas de dire vrai. Donc, la physique quantique va permettre de se téléporter des personnes. Non, évidemment. Donc, on n'est pas dans les évidemment, dans l'imaginaire public, la téléportation est souvent associée à la mouche et à ce qu'on peut voir dans les films de science-fiction. Malheureusement pour nous, pour les chercheurs dans les domaines de la téléportation, on va dire autre chose. Et donc, ce qu'on a pu faire, la téléportation essentiellement, c'est une façon de communiquer de l'information quantique sans transporter les vrais porteurs de cette information. À quoi ça sert? C'est la mise en réseau dans le cas des technologies quantiques, d'une infrastructure où on veut relier des objets quantiques. Ça permet la mise en réseau des systèmes quantiques, des processeurs, des ordinateurs quantiques, des capteurs quantiques, des systèmes cryptographiques quantiques. Donc ça nous permet, pourquoi on veut faire ça? Pour la même raison qu'on met en réseau dans l'Internet actuel nos systèmes d'information. C'est la même raison. Ça nous donne plus de puissance, ça nous donne accès beaucoup plus important et ça nous donne accès à des tâches avancées. Et donc, il y a tout un domaine de recherche, de travail et de mise en place d'une infrastructure de communication quantique qui vise exactement ces applications-là. Et ça passe par des technologies, celles qui permettent de faire de la téléportation, justement. Merci beaucoup, c'est très clair. Je voulais juste revenir sur la réponse tout à l'heure d'avant, Alexia.
Tu parlais tout à l'heure d'incertitude ou de décohérence. Est-ce que ça a un rapport, parce que moi, c'est toujours quelque chose qui m'a fait marrer, avec le chat de Schrödinger, ou pas du tout? Ah, mais grave. Cool, t'es pas préparé. Complètement. Tu peux nous dire pourquoi, c'est intéressant. Alors, déjà, il faut peut-être expliquer ce que c'est que le chat de Schrödinger. Donc, Schrödinger, c'est un des pères fondateurs de la mécanique quantique. Et comme on le sait, la mécanique quantique est contre-intuitive, mais nous, chercheurs, 100 ans après sa fondation, on a un peu l'habitude, mais à l'époque, ils ont vraiment inventé les paradoxes qui capturaient toute la perplexité devant ce qu'apporte le formalisme quantique. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, les systèmes quantiques peuvent être dans des états superposés. Bon, quand il s'agit d'un bit quantique, c'est tout petit et ça fait même pas mal. On se dit, bon, ça, ok, c'est dans l'état 0 et 1 à la fois, whatever, tant que ça calcule plus vite. Mais ce que Schrödinger a imaginé, c'est ce qui se passe si jamais l'état du système microscopique... J'essaye de formuler une phrase assez rapide. Si jamais l'état du système microscopique a une conséquence sur l'état d'un système macroscopique. Et pour ça, il a imaginé une expérience complètement farfelue. Je ne sais vraiment pas ce qu'il a pris avant. Donc, il a imaginé de mettre un atome radioactif dans une boîte avec une fiole de poison et un chat. Voilà. Donc, dans la boîte... Il l'a fait pour de bon ou il l'a imaginé ? Il l'a imaginé, oui. D'accord. Ouais. Il l'a imaginé. Et donc, le principe, c'est que si l'atome radioactif reste dans son état excité, il ne se passe rien, et donc le chat reste vivant. Par contre, si l'atome radioactif se désexcite, passe dans l'état fondamental, il émet un peu d'énergie en faisant ça, et donc cette énergie, elle va casser la fiole de poison, et du coup, le chat meurt. Voilà. Et donc, ce qui se passe, en fait, si on applique les lois du monde quantique à cette expérience très bizarre, c'est que si maintenant l'atome... se désexcite petit à petit, il va passer dans un état superposition, donc à la fois excité et désexcité, et le chat va être à la fois mort et vivant. Et donc ce chat va rester mort et vivant à la fois tant que quelqu'un n'a pas ouvert la boîte et vérifié l'état du chat, c'est ce qu'on appelle le collapse de la fonction d'onde dans le jargon. Donc voilà, et ça vous donne une idée de... l'impact de la mesure sur les états superposition. Alors maintenant, quel est le rapport avec la décohérence? Parce que c'était quand même ça le sens de ta question à l'origine. Donc, dans un ordinateur quantique, on a des registres de données qui sont en fait idéalement très gros, parce que ce qu'on va vouloir manipuler, c'est beaucoup de qubits. Parce que si on n'a pas beaucoup de qubits, les algorithmes qu'on va effectuer ne seront pas très intéressants. Et donc, ces algorithmes vont être effectués sur des états qui typiquement sont des états chat Schrödinger, puisque ce sont des états de superposition macroscopique. Et ça devient d'autant plus difficile de les maintenir dans des états superposition, puisque leur état, plus les systèmes qu'on manipule sont gros, plus les états vont devenir visibles. Et plus facilement, on va acquérir une information sur ces états. Donc ça capture un peu la difficulté de faire du parallélisme quantique à grande échelle, en fait. Merci beaucoup, Olivier. Il faut savoir qu'Alexia est passionnée par le chat Schrödinger. Ça fait même partie du titre de sa thèse de doctorat qu'elle a réalisée avec Serge Haroche au début des années 2000. Et donc, elle est passionnée par le sujet. Moi, j'aurais tendance à dire que le chat, il est ni mort, il n'est pas mort et vivant en même temps, parce qu'en fait, c'est un objet macroscopique. Et la physique quantique, qui décrit les états superposés, elle s'applique plutôt aux objets de toute petite taille, des électrons, des atomes. Mais quand c'est un objet comme une table, ça reste une table, elle est ni morte ni vivante. Et donc le paradoxe, il est là dans le paradoxe de Schrödinger. Il voulait aussi démontrer indirectement qu'à l'échelle des grands objets, il n'y avait pas forcément cette notion de superposition. Tu n'es peut-être pas d'accord. Non, c'est ce qu'on appelle en fait la frontière classique quantique. À partir de quand les lois du monde quantique finissent de s'appliquer et on retrouve le monde dont on a l'habitude. Et ça, c'est un thème de recherche, en fait, avec des manips qui vont créer des superpositions d'objets de taille de plus en plus grande. Merci beaucoup. C'est passionnant et on a eu la chance de rencontrer Serge Haroche au Point, donc, qui a été ton directeur de thèse. L'interview pour le Point, où il était lumineux, justement, il parlait de la lumière et c'était très clair. Et j'en profite parce que tout à l'heure, tu parlais des débuts de la physique quantique. Il y a un bouquin qui est absolument fabuleux, qui a préfacé Étienne Klein, qui était avec nous hier soir, qui s'appelle « Fantaisie quantique ». Et je vous invite à lire ce livre qui est vraiment très intéressant sur les débuts de ces recherches. On va aller vers une autre question sur les télécommunications quantiques. Est-ce qu'elles vont transporter l'information plus vite que la lumière? Bon, alors je vais dire vrai. Et c'est faux.
J'ai eu bon tout à l'heure, hein, une seule fois. Et Hélène, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Eh bien, RSMO, il y a quelques constantes fondamentales qui ne changent pas. Et c'est une, c'est la vitesse de la lumière. Donc, en effet, RSMO, parce que sinon, bon, c'est vrai qu'on aurait beaucoup de boulot. Il va falloir, hein, si jamais ce n'était pas vrai, il va falloir fonder de nouvelles théories physiques. Et donc, en effet, ce n'est pas vrai. La téléportation, notamment, ne nous permet pas de transporter l'information plus rapidement que la lumière. Et la solution, la raison pour laquelle ces lycées arrivent, c'est qu'il y a toujours quand même une communication qui doit être effectué entre les parties qui partagent l'information. Et ça, c'est limité par la vitesse de la lumière. Donc, on ne peut pas avoir des effets instantanés, des transmissions d'informations instantanées dans nos réseaux quantiques. Je confirme. Merci. OK. On peut s'intéresser maintenant sur la place de la France et de l'Union européenne dans cette course au quantique. On en a un peu parlé avec Margaret Vestager tout à l'heure. Est-ce que les États-Unis et la Chine ont pris trop d'avance? Là, je ne pensais pas qu'il y ait une réponse définitive, mais je dirais plutôt... Bon, j'ai encore faux, si j'ai faux. Et est-ce que... Je n'ai pas fait exprès. Est-ce que, Olivier, tu peux nous en dire un peu plus, ton regard, parce que tu suis cette industrie, tu suis toutes les startups françaises, Candela, Pascal. C'est quoi les chances de la France et de l'Union européenne et qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer ou pas? Est-ce qu'on en a besoin? On est dans une situation qui est voisine à celle de toutes les autres technologies, dans le numérique ou dans la santé ou ailleurs. C'est-à-dire qu'on a toujours un patrimoine scientifique de très, très bonne qualité en Europe et en France en particulier. Vous en avez deux ici dans ce panel, mais il y a beaucoup de très, très bons scientifiques. Bah, Serge Haroche, prix Nobel, il y en a eu d'autres, des prix Nobel. Hein. Albert Fer, enfin, on en a eu plein, des prix Nobel en physique quantique. Et la difficulté, c'est comment faire pour que cette excellence scientifique devienne ensuite une excellence plutôt dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire dans la capacité à vendre à grande échelle des produits, et une capacité qui est extrêmement importante avec un mot qui est très galvaudé dans le numérique et pourtant qui a un sens très important, qui est ce qu'on appelle la création d'écosystèmes, et d'écosystèmes autour de plateformes. C'est-à-dire, pour être leader, par exemple, dans l'ordinateur quantique, non seulement il faut faire des machines qui marchent, et qui scale, comme on dit, au sens qu'ils ont un grand nombre de qubits, qui vont avoir une grande capacité de calcul, mais il faut être capable aussi d'imposer aux développeurs de solutions logicielles des outils de développement qui vont être largement adoptés, un peu comme les outils qui permettent de développer une application sur Android ou sur iOS dans la mobilité. Et ça, c'est un enjeu qui est beaucoup plus, je dirais, de techno-marketing que de pure science, et c'est pas forcément là où l'Europe est bonne, parce que l'Europe est très fragmentée globalement. Malgré tout, si on prend juste le hardware, on a de très belles startups en France. On a C12, on a Listen Bob, on a Pascal, on a Candela, qui sont des startups très prometteuses dans leur domaine. Mais leur enjeu, ça va être justement d'aller vers cette notion d'écosystème. Alexia, peut-être, je crois que tu connais super bien l'écosystème de Singapour. Est-ce qu'on peut comparer la place de la France et de l'Union européenne par rapport au reste du monde? Alors, Singapour, c'est un exemple qui est cher à mon cœur, mais qui est pas non plus, qui résume pas tout ce qui se passe dans le monde, évidemment. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont créé le premier Center for Quantum Technologies, le premier centre de technologie quantique au monde. Et donc, rien que pour ça, chapeau bas, parce qu'ils ont eu le pif de voir que ces technologies allaient décoller sous peu. Après, il y a eu des efforts bien avant la France, en fait. Il y a eu les hubs au Royaume-Uni, qui représente aussi un très bel effort de création d'écosystèmes. On peut peut-être préciser en fait ce qu'on entend par écosystème pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Olivier. Donc toi, tu as parlé de plateforme hardware et de software. Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il faut dans un écosystème beaucoup de recherche fondamentale et beaucoup d'innovation et des gens qui se parlent. D'où l'importance d'avoir des écosystèmes qui soient locaux, en fait, c'est-à-dire des gens qui soient quand même relativement bien concentrés au même endroit. Pourquoi il faut ça? C'est parce que les technologies quantiques, c'est ce qu'on appelle des deep tech. Et donc, ces deep tech, si on enlève un composant de la chaîne, enfin recherche fondamentale ou industrie, ça ne marche plus. Et donc, il faut faire en sorte que ces gens travaillent ensemble. Et la difficulté, c'est que les logiques ne sont absolument pas les mêmes. Les temps propres ne sont absolument pas les mêmes. Le chercheur fondamental, il a besoin de temps, il a besoin de pelleter les nuages, comme dirait Fred Vargas. Il a besoin de pas forcément savoir immédiatement où il va. Et en face, on va avoir un industriel qui, lui, veut un produit d'ici 3 ou 5 ans. Donc comment est-ce qu'on invente un couplage entre ces deux bestioles qui respectent les logiques et les temps propres sans avoir une relation d'asservissement? C'est,
J'ai pas la réponse. Enfin, c'est même sociologiquement très intéressant. Moi, ce à quoi je crois, en tout cas, c'est qu'il faut rassembler les gens au même endroit et à la limite qu'ils deviennent potes, parce que déjà, ça améliore bien les relations maître-esclave. Ça permet de les aplanir un peu et voir ce que ça donne. Donc, c'est notamment ce qu'on essaye de faire à Grenoble, à Paris, à Saclay, et puis dans tous les autres centres quantiques français, Nice, Bordeaux, Strasbourg. Ça éclot dans tous les sens en ce moment. Aussi, hein. Le Centre Quantique Occitan, absolument. Je ne sais pas s'il y a des chercheurs du Centre Quantique Occitan qui nous écoutent, mais c'est un des petits derniers de la bande. Et voilà, et longue vie. Excellent. On écoutera après peut-être les questions des chercheurs d'ici. Rapidement, Eleni, sur ce thème de l'écosystème européen, tu nous avais expliqué que tu avais à cœur de réfléchir à une valorisation du travail des chercheurs. Oui, absolument, c'est important. Il faut que je dise quand même que le plan quantique national en français a été extrêmement bien accueilli en Europe par nos partenaires européens. Pourquoi ? Et pour nous, évidemment, ça nous met, en tant que chercheurs et bien sûr la communauté industrielle aussi française, on se sent encore plus légitime qu'avant. Ça nous donne plus de moyens, plus de ressources et aussi une crédibilité au niveau européen. Donc, et ça pousse aussi des autres, notamment d'autres petits pays européens, parce que les grands pays européens comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, comme a mentionné la Grande-Bretagne, comme a mentionné Alexia, ont déjà leur plan, mais ça pousse encore plus d'accélérer cet écosystème en Europe. Et je dois dire quand même que notre participation en tant que chercheur français dans l'écosystème européen est extrêmement, extrêmement fort. Donc c'est très bien structuré. Il faut dire quand même qu'il y a une grande ambition européenne dans les domaines. C'est quand même l'Europe qui a structuré les domaines dans des piliers bien établis, qui a été repris finalement partout dans le monde, aux États-Unis, en Chine. Donc ça pose évidemment, ça ne veut pas dire pour nous académiques, évidemment on ne peut pas penser aussi quelle indépendance, l'autonomie stratégique dont on parle tout le temps en Europe et française aussi par rapport à la souveraineté, etc. Donc on aime travailler avec les autres chercheurs partout dans le monde. Mais donc voilà, on est dans un équilibre entre la recherche fondamentale et les transitions vers l'industrie qui pose des questions, beaucoup de questions. Alors quand on vous écoute, vous communiquez votre enthousiasme, mais le quantique, ça peut faire encore un peu peur. Et c'était la dernière question qu'on voulait vous poser. Personne ne comprend vraiment la physique quantique. Comment vous l'avez fait aujourd'hui, de manière brillante, vous le faites dans vos travaux. On peut te retrouver, Olivier, sur ton blog. On peut retrouver tous vos travaux de recherche sur Archive, par exemple. Pourquoi ça peut paraître un petit peu, ça peut donner un peu le vertige, le quantique, et comment communiquer un peu mieux? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Et je préciserai, puisqu'on on reçoit déjà des questions du public, pour ajouter... Vas-y, Brice. On voit peut-être parfois de la défiance même sur le quantique, même plutôt qu'une incompréhension, de la défiance. Et est-ce que c'est une technologie à risque? Voilà. Comme ça, on couvre toutes les bases. Qui veut répondre? À risque de quel point de vue? À risque énergétique, comme a dit Alexia, à risque économique, social. Je pense que c'est une formidable opportunité, les quantiques, essentiellement. Donc, mais évidemment, il faut le développer de façon prudente, sage. Il faut regarder tous les aspects. On a parlé là des secteurs hein, quand même d'applications qui couvrent dès l'énergie, la finance, la cybersécurité, la santé, tout un tas de pharma, donc tout un tas de domaines quand même extrêmement critiques, les infrastructures critiques justement, etc. Donc il faut en utiliser en faisant très attention, et on a l'opportunité aujourd'hui justement de participer à cette éclosion de nouveaux domaines de recherche, en prenant en compte aussi les questions énergétiques qui sont extrêmement importantes aujourd'hui. Et donc, c'est une opportunité, ce n'est pas un risque. Ce n'est pas moi qui ai posé la question. Oui, oui, je réponds en vous regardant. Oui, moi, je dirais que c'est même une chance. Hein. C'est une chance scientifique qu'on a dans l'histoire de l'humanité de faire avancer le domaine de la recherche, notamment dans les sujets liés à l'environnement et à la santé, où on a besoin d'outils, notamment d'outils numériques. Et le quantique va apporter des outils nouveaux pour résoudre des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre aujourd'hui. Donc c'est vraiment une chance pour l'humanité. Après, il faut l'utiliser correctement, bien sûr, mais on ne va pas créer une bombe atomique avec un ordinateur quantique. Ça ne sert pas à ça, quoi. On a une question très pragmatique, très terre-à-terre, assez concrète. Aujourd'hui, ça coûte combien, un ordinateur quantique, et quels sont les pays qui en possèdent? Aucun.
Ben si, ça dépend ce qu'on entend par... Alors, il existe des ordinateurs quantiques aujourd'hui. Il y en a une grande majorité qui sont disponibles dans ce qu'on appelle le cloud, qu'on accède via Internet, via un laptop. Il y en a certains qui sont accessibles gratuitement, par exemple chez IBM. Il y en a d'autres qui sont accessibles en payant, chez Amazon, chez Microsoft, qui mais proposent ça dans le cloud. Mais concrètement, il y en a chez IBM, il y en a chez Google, il y en a chez les Chinois. Qu'est-ce qu'on peut... Ils en ont, bien sûr. Sauf que le petit détail, qui est comme dans les contrats d'assurance, il faut lire le petit alinéa en bas. En police, c'est pour l'instant, les ordinateurs quantiques qui sont disponibles ne sont pas plus puissants qu'un laptop ou qu'un serveur. Donc, ils sont intéressants. Par contre, pour répondre à la question précédente, qui était c'est compliqué le quantique, ça sert à apprendre. Ça sert à apprendre à programmer, ça sert à apprendre à développer de nouveaux algorithmes pour que le jour où les ordinateurs dépasseront la puissance des machines traditionnelles, seront disponibles, on puisse vraiment en tirer parti. Donc finalement, aujourd'hui, on est dans une phase d'apprentissage, de préparation. On est un peu comme Ada Lovelace, qui en 1842 invente des algorithmes sur une machine qui n'existait pas encore, celle de Charles Babbage, qui n'a été construite qu'un siècle plus tard. Nous, on pense que ça sera plus rapide qu'un siècle. Mais on a ce décalage entre l'invention des algorithmes et les machines qui permettront de les exécuter réellement. Alors j'ai une question pour vous, une question de super geek, même si vous l'avez expliqué que pour l'instant c'est toujours pas disponible. Disponible mais pas assez puissant, c'est ça? Voilà, alors la question, dans le futur, est-ce qu'on pourra miner du bitcoin avec un ordinateur quantique? Non. Non, enfin, oui, on comprend bien que c'est trivial par rapport à la potentialité du quantique, mais ça suscite quand même beaucoup de fantasmes. Ça n'est pas si trivial que ça, mais l'état de l'art des algorithmes quantiques connus aujourd'hui ne permet pas de changer réellement la donne par rapport au mining du Bitcoin, et franchement, ce n'est pas très intéressant, mais bon, ça c'est un autre point de vue purement macroéconomique. En fait, j'emploie le terme de Bitcoin ou des crypto-monnaies à escient, c'est-à-dire qu'on a vu des modes, on avait longtemps parlé de l'IA, on parle des cryptos, on parle du NFT, parfois on a l'impression que les gens mettent le quantique dans le même sac. On voit que vous êtes tous des scientifiques, tous très, très concrets dans ce que vous racontez, et donc il y a vraiment une recherche derrière. Nonobstant, pour le grand public, ça semble encore nébuleux, on l'a dit, parfois... En fait, dans les crypto-monnaies, le mining en tant que tel n'est pas une vraie grande cible du calcul quantique. Par contre, la signature qui permet d'authentifier les différentes parties prenantes d'une chaîne, dans une blockchain ou dans le Bitcoin, elle est potentiellement attaquable par l'ordinateur quantique, potentiellement. Hein, Lénie, tu connais bien le sujet. Mais c'est un risque à très long terme. Donc pour l'instant, je ne pense pas que la question se pose beaucoup. Quoi. Et si on voulait rapprocher le quantique de Toulouse, parce que tu l'as dit, on ne l'a pas vraiment cité, il n'est pas vraiment sur la carte. Alors on a déjà fait une table ronde ensemble. Lénie, il y a un aspect important pour le quantique, c'est le spatial. Oui, absolument. C'est pour ça que je suis souvent d'ailleurs à Toulouse. J'ai participé à un forum, Toulouse Space Forum, il y a quelques mois, justement, où il y avait les grandes entreprises du spatial. Donc ça concerne beaucoup ce dont on a parlé, les communications, la cryptographie quantique, l'enjeu de cybersécurité. Maintenant, surtout ce qu'on voit avec ce qui se passe dans le spatial, c'est la guerre. Et ça va s'accélérer dans les prochains mois et années. Et donc, du coup, évidemment, l'industrie spatiale, notamment, nous, on a beaucoup de contacts avec Airbus, avec Thales Alenia Space, donc avec d'autres petits acteurs aussi dans la région toulousaine. Mais... Ils s'y intéressent de près. Merci, oui. En tout cas, tous les trois, on peut vous applaudir avec chaleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on aime beaucoup le grand écart à Futurapolis Planète. Alors, on passe du quantique à une table qui s'appelle Adieu, veau, vache, cochon. Et si demain, on arrêtait de manger de la viande, à tout de suite.